Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle année 2022. C'est une joie de revoir les amis les plus fidèles de la résistance iranienne. Je souhaite à vous et à vos familles une vie lumineuse et protégée de tous les fléaux. De notre temps. Durant des années, vous avez soutenu et protégé les résistants d'Ashraf. Vous avez partagé leurs difficultés, leurs joies et leurs espérances dans un Iran libre et démocratique. Et nos voisins formidables à Auvergne ont passé avec nous ces moments, surtout pendant les événements du 17 juin 2003, et nous avons ensemble goûté la joie des victoires juridiques. Vos amis ashrafiens vous saluent et vous remercient. Ils ont fait de la cité d'Ashraf III en Albanie une cité exemplaire. C'est une étape dans leur combat pour la libération de l'Iran je voudrais saluer la mémoire des amis qui nous ont quittés, en particulier le sénateur jean-pierre michel, qui durant toute sa vie a été aux côtés de la résistance iranienne, un soutien infatigable. il avait rencontré massoud et il est resté attaché jusqu'à la fin à cette juste cause. Je dois euh, rappeler aussi la mémoire de Manuel Fiskez et euh, Marie-Laurette Guillaume et d'autres amis qui nous ont quittés. Euh, ils avaient euh, choisi de soutenir la résistance iranienne. Euh, ils sont euh, tous ici avec nous ce soir. L'année passée, le peuple iranien a continué sa marche vers la liberté. Tous les quatre mois, un grand mouvement contre l'origine des mollahs a éclaté. Et ces derniers mois, au Khuzestan, le peuple s'est révolté contre la pénurie d'eau. Les gardiens de la révolution ont exploité les ressources d'eau pour la euh, production d'armement et leur usine. Récemment, euh, les paysans disparants ont manifesté contre la sécheresse de la rivière de -Route. Euh, La ville d'Ispahan s'est révoltée pour les soutenir. Les pasteurs ont tiré euh, blessant aux IO plusieurs manifestants. Depuis un mois, les enseignants manifestent dans tout le pays. Ils vivent sous le seuil de pauvreté. Ils ont décidé d'enseigner la résistance et la leçon de liberté. Malgré les arrestations, il y a un grand élan de solidarité plus fort que la répression. Le régime à très port et dénonce à chaque fois l'impact des unités de résistance sur ces mouvements. Les unités de résistance rappellent au peuple que la solution à tous ces malheurs est le renversement de la dictature religieuse. Récemment, les unités de la résistance ont brûlé. La statue du terroriste Qassem Soleimani, ces unités s'inspirent de la persévérance des résistants d'Ashraf. Elles sont animées par une source généreuse d'humanité. Vous faites partie de cette source. 2021 a aussi été l'année des échecs juridiques. De Mola. En Suisse, euh, l'annulation du classement du dossier sur l'assassinat en 1990 du professeur Kazem Rajavi, un frère de Massoud, euh, Kazem qui représentait la résistance à la commission des droits de l'homme de l'ONU à Genève, dénonçait le massacre de 1988. La justice suisse a ordonné une enquête sur son assassinat dans le cadre de génocide et de crimes contre l'humanité. En Belgique, le diplomate terroriste Astola Assadi et ses trois complices sont condamnés pour une tentative d'attentat à la bombe contre le rassemblement du CNRI à Villepinte en 2018. Et ensuite, il y a un procès contre un bourreau du régime pour sa participation au massacre de 30 000 prisonniers politiques en 1988. C'est un événement sans précédent. Le tribunal s'est déplacé pendant deux semaines à Dores, en Albanie, pour Entendre les mojahidines du peuple. Ce déplacement a démontré une fois de plus que l'OMPI est le principal adversaire du régime des Moula. Je rappelle qu'Ashraf III, il y a un millier dans un prisonnier politique. Dans ce procès face au régime, les Iraniens de diverses opinions se sont unis. Ces tribunaux marquent dans l'histoire les crimes contre l'humanité. Et le terrorisme d'État démola surtout pendant la présidence du bourreau Ibrahim Raisi. Raisi est un des principaux responsables du massacre de 1988 il y a augmenté les arrestations et les exécutions en iran. le monde est face à un régime sans capacité de dialogue qui veut gagner du temps pour produire la bombe atomique dans des négociations sans résultat. la france, pays des droits de l'homme, ne doit pas céder devant ce régime qui prend des otages français pour faire du chantage. J'appelle euh, la France à adopter une politique de fermeté euh, en se mettant du côté du pop-iranien et de sa résistance. Euh, ce régime a besoin de la bombe pour rester au pouvoir parce qu'il est en situation de renversement. Pour arrêter le programme de la bombe, il faut renverser ce régime. C'est pourquoi le monde doit se placer aux côtés du peuple iranien. Il est nécessaire de soutenir la lutte du peuple iranien pour le changement de régime. Vous pouvez tous aider à éveiller les consciences des dirigeants d'Europe. C'est une tâche importante. Nous pouvons tous participer à l'instauration d'un Iran à la hauteur de son histoire. Un Iran qui respecte la démocratie, l'égalité, la justice et les droits de l'homme. Un Iran facteur de paix et d'amitié entre les peuples. Un Iran libre qui respecte la séparation de la religion et de l'État. C'est l'Iran que nous allons construire. Je vous remercie encore pour ce que vous êtes des amis précieux sur qui le peuple iranien peut compter. Euh, très bonne année 2022. Merci beaucoup.